Elle est la voix que l'on entend dans En aparté, sans jamais voir son visage. Elle interroge des centaines de célébrités par an. Nathalie Lévy a tenu à rendre un hommage bouleversant à un membre de l'équipe du programme sur Canal+. En effet, la présentatrice a publié plusieurs photos de Stéphane Ribeiro. Steph, qu'est ce que tu nous fais? Écrit-elle en préambule. Bouleversée, elle poursuit, t'as pas le droit de filer comme ça sur la pointe des pieds tandis que 2 heures avant on échangeait sur les émissions de janvier. Outre un membre de l'équipe, cet homme semblait faire partie de la vie de Nathalie Lévy. Mardi tu me conseillais sur l'adolescence des filles, mardi on ironisait sur la vie, tu riais de bon cœur, exsangue mais jamais abattu, toujours pudique, optimiste et vaillant. L'occasion d'apporter tout son soutien à la famille l'homme, tes enfants ont eu un merveilleux papa, investi, attentif, généreux, complice, ni avec eux cet été, tu l'as fait. Comme c'était une belle idée. Steph, ton skate est au bureau, tes figurines pop et tes dizaines de DVD en vrac font la gueule sans toi. Nathalie Lévy en deuil en colère contre la maladie qui a emporté son amie, Nathalie Lévy conclut, elle devait pas gagner cette foutue maladie, c'était pas dans le conduit. Tu vas nous manquer monsieur Uiri. Mille pensées à ton épouse Stéphanie, tes trésors, ta maman Monique et tous ceux nombreux qui t'aiment. Avec Nicolas Torgemann et toute la team en aparté on vous sert fort et vous embrassons du fond du cœur. Un message bouleversant pour toute une équipe qui se retrouve dans le deuil. Nathalie Lévy, le cœur lourd, va devoir travailler sans son amie.